Bonsoir à tous! On va baisser un petit peu quand même parce que. Faut pas faire les fous non plus quoi. Hein? Ça va les Crozes? Salut Dolly Dream! Bon, on va continuer un petit peu ce soir. Un petit peu, on va quand même jouer 2 heures. À l'épisode 3 de Song of War, le temps attendu. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient. Qui l'attendiez. Et du coup, ça va être pas mal. Hein. Ça va être un bon live. Hein. Ah, ça va être un bon live, les Crozes, je vous le dis. En plus, je suis en forme. J'ai pas mal au crâne. Tout va bien. Alors là, je pète le feu, quoi. Bon. Alors, on va y aller, les Crozes. On va pas tarder à lancer l'épisode 3. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Tétard, je sais pas si je le prononce bien, qui offre un abonnement à Dragmar. Merci à toi. Merci. Ouais, bah non, mais je crois que j'avais que ça à dire, les Crozes. J'ai un concours. Ah oui, putain, faut que je vous parle de ça vite fait. J'ai un concours sur Insta qui arrive bientôt. Donc, Instagram Toshikro. J'ai atteint les 500 abonnés, du coup, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire gagner 2 petits cadeaux en concours. Donc voilà, sur Instagram. That had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Le son est bon. Something worse. C'est bon pour vous, le son? Much worse. Coucou, Mickey. Had it done any good to return the music box to its owner? Hasha might have the answer. But his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers, among the documents he was researching while delving into the box's origins. Le son du jeu n'est pas très fort. As to where he had gone, or what he had done, something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time, my life depended on it. Pourtant, le son, je peux pas le mettre plus fort, en fait. Attendez. Le son, je peux le mettre plus fort ou pas? J'ai l'impression que non, c'est quoi ces conneries? Attendez. Dites-moi si c'est mieux, là. Alors, voilà, on a accepté de nous aider dans la recherche. They used to stay up late, working in Husher's office. So that seemed like a good place to start. We had no idea how serious the situation was. If we'd known about his family, those poor children. I hope we can at least find out what exactly he was after and where he went. There are some papers on his desk that haven't been touched since he left. We have a good chance of finding something there. Mais on est où là? I feel like something odd has gotten into Professor Husher. I mean, apart from his usual oddities, he seemed anxious about something and looked like he hadn't slept properly in days. No offense, Mr. Nora, but it looks like it's the same for you. Don't worry, none taken. I'm well aware. This is his desk. As you can see, there are a bunch of documents he uses as research for his novels. It's all here. We better take a look at his computer and the shelves too. The sooner we get started, the sooner we'll find something out. Bon. Look at this here. There are some notes where he mentions the music box, but I can't quite understand what he means. AA375 is underlined. AA, that's how the documents in the donations and biographies archive are designated. Maybe he was looking for something there. Biographies. Let's start with the archive then. Where is it? Donations and biographies are on the basement level. I'm sure it will be closed, but we can easily find the janitor or a key. It's not a very busy area. Ça y est? Ah putain, c'est un hôpital. Chercher quelque chose dans les archives des dons et des biographies. Trouver de quoi il s'agit serait la première étape vers la découverte de la localisation. De sa localisation. Ok, très bien. Alors, bon, du coup, pour résumer, on est toujours à la recherche d'Usher, hein, depuis l'épisode 1, on sait toujours pas où il est. Et donc il aurait fait un tour à l'hôpital, c'est ça? J'essaie de comprendre. Hein.
Et donc là, on va en gros, on va essayer de fouiller dans ses papiers, essayer d'enquêter sur sa disparition, quoi. Voilà. Alors, qui on a comme personnage dans cet épisode 3? On a Daniel, donc le fameux Daniel, hein. On le connaît tous. Hein? On le connaît tous, celui-là. Bonsoir, Dawn. Ok. Ensuite, on a qui? On a Omar Nassiri, âge 33 ans. Omar, professeur assistant à l'Université d'État des Arts et du Genre Humain. Il a un doctorat en histoire de l'art et en un ancien étudiant de Sebastian P. Usher. Ah, c'est un étudiant du professeur Usher, donc ok. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, Grace Richards, 29 ans. Impatiente de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise en histoire, a volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer sa thèse et pour continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenue par le professeur Sebastian P. Usher, Grace est une étudiante brillante qui a trouvé en la personne d'Omar Nassiri, un camarade étranger, mentor et ami avec qui elle a formé des liens de respect mutuel. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Ah ! On a que 3 persos ? Quoi ? Oh là 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 là. On a que 3 personnages. Oh ! Ah, mais l'épisode 3, je vais le faire 2 fois là, voire 3 fois. Bon, déjà, on va pas prendre Daniel. Hein. On a fait l'erreur dans l'épisode 2, on va pas la refaire là. On va prendre. Grace, je crois. On va prendre Grace. 3 persos, on va rire, putain. Allez, let's go. Ah non, mais là. Bon, allez, on va se concentrer. 3 octobre 98. Ok. Un sentier sinueux. Je ne me souviens pas que cet endroit était si effrayant. Mais du coup, on est où exactement? On est dans une sorte d'université, c'est ça? C'est là où Usher pratiquait sa profession de professeur, c'est ça? C'est une université en fait, c'est pas un hôpital du tout, je me suis planté. C'est parti pour l'épisode 3, les Crozes. Alors, je regarde un peu où on est. Parce que je suis un peu perdu, là, je vous avoue. Ouais, non, c'est ça, c'est une université. Hein. Ouais. Écoute, toujours bien aux portes, Toshi. Oui, merci de me le rappeler. Hein. Une note. Note du professeur Merino. Un message pour Maxwell Glover, le concierge du département d'histoire. Monsieur Glover, j'ai essayé de vous rendre votre carte d'accès, mais je ne vous ai pas trouvé. Je pensais que vous étiez en bas dans la salle de contrôle, mais je vois que non. Peu importe. Je pars pour un long week-end et je ne vais pas vous attendre. On n'a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par professeur Dunn. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn. What ? Et regardez sur l'étagère du haut. Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait, pour m'en assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end à vous. PS. Je ne prendrai pas mon chapeau en fin de compte. Ok. Professeur Merino. Waouh, ça commence fort là. Quel connard. Ok. Ok, j'ai l'impression qu'il va faire peur cet épisode. J'ai l'impression qu'il va faire flipper. On va aller là. Merde, j'ai pas écouté la porte. Oh putain. Oh. Un lecteur de carte d'accès, il m'en faudra une pour ouvrir la porte. D'accord, il faut une carte ici. Très bien. Ah, ici c'est ouvert. Hey, bande de beaux gosses. On est parti pour 5 heures de live sur l'épisode 3. Au moins, Drac. Non, vraiment. J'adorais avoir une bibliothèque aussi remplie. Ah bah pour ceux qui aiment lire, c'est le paradis, là. Pourtant, j'adore les livres, mais là, j'irai jamais. alors, je pense qu'il y a une... What the fuck ? Eh, ça commence direct ! C'est quoi ces conneries, là ? Eh, ça commence direct !
Wow, 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 wow. Quoi, ces conneries? Allez là. Oh. Ah. 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 Ou. I. O. U. Les syllabes. Les syllabes. C'est bon. Non mais attendez, là on se tape tout d'un coup là. Et l'épisode vient de commencer. L'épisode vient de commencer. C'est un truc de ouf. Alors, on va commencer à connecter nos neurones, les crosses, ok? Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Par contre c'est au niveau des notes moi que ça m'intéresse. Au niveau des notes, nous avons cette note qui me paraît plutôt intéressante. Je pense que c'est va falloir trouver le livre avec cette note hein. Alors aller aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dunn. Alors nous sommes dans le bureau du professeur Dunn. Donc faut savoir la mission, c'est de savoir quelle matière il fait lui. C'est quoi sa matière à Dunn? Ah putain, Élise! Pas con, Élise nous dit quelque chose de très intelligent là. Dans le bureau de. Dans le bureau de Merino là, il y a les dates des examens passés. Donc on va pouvoir voir le. Ouais, si, c'est bien ça. Vu qu'on sait que Dunn avait un examen à 12h30, le mercredi 6 décembre, et ben on va avoir notre réponse en fait. Très bien ça. Très très bien. Attends, on va regarder. Ah, c'est là. Alors, attends. C'était le 16. Hein. C'était le 16 décembre. À 12h30. Anglais. Putain, c'est anglais. Il est prof d'anglais, Dunn. Il est prof d'anglais. 16 décembre, 12h30. Je pense qu'il est prof d'anglais. Vous me confirmez ? Ok, on avance dans cette énigme, c'est bien. Pas à pas. Prof d'anglais. Ok, prof d'anglais. Donc. Merci Élise, ouais c'est cool hein. Tu m'as bien aidé. Tu vois, c'est ce genre d'aide que j'aime bien, vous me donnez pas la réponse, mais vous me menez vers une piste. C'est ça que j'aime bien. Alors. Aller aux étagères de la matière enseignée par professeur Dunn. Donc faut aller à l'étagère anglais. L'étagère anglais, les crozes. Mais comment on va... histoire, géographie, littérature, art, technologie, science... Langue. Langue, langue, langue. Ok. Donc c'est IJK. Ça commence sur une énigme de dingue là, hein. Une des plus grosses énigmes qu'on ait eu depuis l'épisode 1, c'est ouf. Ok, TGRJ... IJK, voilà c'est ça. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est fait, de là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Donc IJK. Et on commence au maire, donc au I. Ok, donc à partir du I, on compte 6... étages vers la droite, donc J, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ce serait le haut et le livre en haut du haut. Putain, si c'est ça, champion du monde, toute catégorie. Mais je pense pas que ce soit ça, faut pas rêver. Attends, donc ça voudrait dire que ce soit celle-là et tout en haut. Si c'est ça... On a trouvé ou pas? Ah! Oui! Oui! Oh putain! Oh putain! Oh, j'ai vraiment cru que j'allais passer 2 heures sur cette énigme. Vraiment. Ah, on a trouvé les crosses, putain, yes! Ouh! J'avais peur de cette énigme. Allez, bon.
On continue. Donc on a la carte d'accès. Maintenant, on va ouvrir cette porte. Et là, on fait gaffe. On va écouter à la porte. Y'a rien. On y va. Salut, où ça? Merci les crozes. Merci. Merci, merci. Cet évier est incroyablement petit. Je ne vois pas comment je pourrais remplir... Remplir quoi? Un seau. Ok. Là, on a quoi, là? Diapositive. Ah! Ça sera à mettre dans le projecteur. Un jeu de diapositives. Elles sont conçues pour être projetées sur un écran blanc. Ok, nickel. Ça, c'est bien. Des produits d'entretien prêts à être utilisés. Ok. Et il n'y a rien d'autre. Parfait. Ah si, là. Ok. Bon, je suis content. Je suis très content. Je suis très content, là. On va mettre les diapositives dans le projo direct. On verra. On aura peut-être un remake du film... C'est quoi le film d'horreur, là? Sinister, c'est ça? Ou tu sais, dans le grenier là, il y a un projecteur et t'as le truc chelou là. J'ai un souvenir d'une scène de film d'horreur, je sais plus quel film c'est. Allez, on met les diapos. Ah, il faut que je branche le projecteur sur la prise électrique. Comment je fais ça, moi? Merde, il est pas branché le... Je pourrais brancher le projecteur dans la prise électrique. Alors déjà, donne-moi le fil. Donne-moi le fil parce que là... Putain, il est pas branché, les roses. Sinister confirmé, Sinister, ouais, trop kiffant. Ah, vous avez bien mis... Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, Sinister. Ouais. Comment je vais faire pour brancher le vidéo pro? Oh, il y a une porte là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une porte ici. On utilise la carte. Oh là, j'avais même pas vu qu'il y avait une porte ici. Je suis en retard, désolé. T'inquiète ou ça, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas loupé grand chose pour l'instant. Attention. Ok. On va peut-être pouvoir brancher le vidéo ici. Hein. Même dans le bureau d'administration des archives, il y a du contenu non classé éparpillé de partout. On a une cassette là. Un enregistrement vocal de Maxwell, le concierge du département d'histoire. Allez, on va l'écouter. Vous arrivez à lire là ? Waouh. Merde. Oh putain. Allez. Wouhou. Ok. Ah, cette poussière est bizarre, on dirait que c'est pas à cause d'un manque de nettoyage. Ah, peut-être qu'il cachait un truc ici. Ouais. Alors du coup, bon, voilà. Est-ce qu'il y a un truc derrière, du coup? Ah oui. Ah putain, il y a un truc derrière. Fait chier, on peut pas y aller. Faut éteindre toutes les lumières. Il est encore là ou pas? Ah, il est plus là. Il est plus là, on va pouvoir rentrer. Let's go. Ouh. Non, moi j'aime bien. Pour l'instant, je kiffe. Alors. Oula. Oula.
Xcuction. Xcuction. Ça va et toi? Bah écoute, je suis sur Song of Horror là. Ok, il y a ma manette qui commence à trembler, les crosses. Pour ceux qui disent que l'épisode 3 n'est pas bien, regardez. Là, je sens la merde. Là, je sens que ça va partir en couille. Les travaux de rénovation de cet été ont tout laissé en bordel. Ok, donc l'université devait être rénovée, à mon avis. Le casier est vide. Je pense que je pourrais rentrer à l'intérieur si j'avais besoin d'un endroit pour me cacher. Ok, on retient qu'il y a un casier ici. Oh, merde, j'ai... Non! Ah! Ah! Oh putain, j'ai pas écouté. Eh, l'amateur, quoi. L'amateur que je suis. Y'a rien. Let's go. Non, j'ai pas de carte, Kaichou. J'ai pas de carte. Petit B3B, bienvenue à toi. Alors, y a quoi? Une cassette ici? Maxwell, vous êtes où? C'est bizarre de ne pas vous voir de l'autre côté, souriant comme toujours. Donc Maxwell, c'est le concierge, les gros, hein, pour ceux qui galèrent à comprendre. C'est le concierge de l'université et il est pas là. Genre, il est pas là, il y a personne, quoi. Je comprends pas trop où il est, Maxwell. Donc ça, c'est le poste de travail de Maxwell. Est-ce que je peux y rentrer? Oui. Parfait. Note de Maxwell. Une poignée de lignes qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Cette porte, la porte des diapositives. Je pouvais me voir derrière elle et maintenant, c'est réel et je peux l'ouvrir. L'image des diapos est une porte. Je peux enlever la chaîne, mais je vais avoir besoin de la clé. J'ai besoin de l'ouvrir pour sortir. Il fait si sombre, mais si je peux sortir, peut-être y a-t-il de la lumière dehors. Ok, donc à mon avis, Maxwell, il a été piégé dans l'université. Et donc, il a vu les diapositives sur le projo, et ça montrerait une porte. D'accord. On a ouvert. Keep this lever pressed down if I want to get into the archive. Ah, d'accord. Logiquement, c'est lui qui tire. Mais là, vu qu'on est seul, la porte peut pas s'ouvrir. Ah merde. Ah merde. Ok. Ok. Ah, ça c'est chiant ça. Ah oui. Ok, très bien. On va essayer d'aller par là. Y'a rien, let's go. Ah, cette université, elle a un petit côté malsain. Oh, attendez, regardez là. Là. La prise. Ah! Ah! Wow! 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 Oh. Vous êtes... Oh non! Vous avez vu? Attends, je regarde sur le retour du live. Vous avez vu ou pas ce qu'il y avait derrière moi? En fait, j'étais concentré sur la prise et j'ai vu un truc derrière, genre... juste derrière moi, tu sais. Bon, on a trouvé l'adaptateur électrique du Projo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parfait. C'est pile ce qu'il nous fallait. Par contre, il y a vraiment un truc qui est apparu derrière nous. Fais chier. La porte est entrebâillée. Oh putain, non. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Oui ou non? Par contre, non, gérez les crocs, faites pas les cons. Hein. Eh, me dites pas oui, hein, pour Quoi? Mais... Hein? Tétard, il devient fou. Tétard devient fou. Attendez, y a Tétard qui devient fou, là. Non, vraiment, attendez. Tétard, qu'est-ce qui se passe, Tétard? Tétard qui offre encore un sub à Natatia et à Justine. Dragonfire, bienvenue Dragonfire. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? J'ai mis oui. Ah putain, je vous ai pas écouté. Et il s'est rien passé.
Il y a eu 23 votes de non. Il y a eu un vote oui. Qui a voté oui là? Qui a voté oui dans le chat? Putain. Regardez, on a la pince du coup. Parfait. Attends, j'espère que je vais pas mourir. Hein. Les creuses. C'est Guxion. Guxion. T'es le meilleur, bro. on a été les deux seuls à avoir du courage et à y aller, tu vois. Parfait, on a la pince et on a la prise. On a tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut. Bon, on va essayer de brancher le vidéoprojecteur. À mon avis, là, ça devrait marcher. On a le fil, on a les pellicules. On va peut-être voir la porte apparaître, du coup, je sais pas. On verra, attendez. On verra. Voilà, on va déjà le brancher. Ok, 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 ok. Ah, mais j'ai pas vu. J'ai pas... Hein ? Il y a un escalier ici. J'ai même pas vu qu'il y avait un escalier ici. Incroyable. Incroyable. J'ai même pas vu qu'il y avait un escalier là. Mais du coup, il y a peut-être un truc en bas, non? Coucou. Ça, c'est le mec relou quand tu vas au ciné qui se met devant l'écran, tu sais. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Pour un... Vous savez, les Horror Nights. Tu sais, les avant-premières de films d'horreur, là. J'étais à une Horror Night, comme ça. De Annabelle, je crois. Enfin, je sais plus. Et t'avais des gosses comme ça devant l'écran, comme ça, qui faisaient chier, putain. Horrible, horrible. Bon, on va aller mettre les pellicules. Il va y avoir un truc qui va nous sauter à la tête avec le projecteur, là. Non, Queen, ne parle pas de choses comme ça. Tu vas porter la poisse. Ouais, on est que 3 dans ce niveau, Nata. On est que 3. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Allez, on va mettre les pellicules. Qu'est-ce que c'est que ça? Vérifie. Alors, je l'ai fait défiler. Ok, on a des portes. Waouh, les rats. What the... Ah, putain, c'est ça que j'ai vu. Ah, c'est ça que j'ai vu. Oh, mon Dieu. Ah, c'est quoi, ça? Il monte la porte avec son doigt dégueu. Il y a un coffre avec de la fumée noire. Alors, j'ai envie de penser que cette porte, on va pouvoir rentrer dedans, mais pas pour l'instant. Je pense que pour l'instant, elle est enchaînée. Regardez, il y a des chaînes. Donc je pense que là, c'est mort. Ouais. Ok. Bonsoir Kimi. Tu as la... J'ai la pince. Ouais, mais je pense pas que... Attends, je vais essayer. Mais ça reste une image, donc casser des chaînes dans une image... Attends, je vais essayer, mais j'y crois pas trop, ça. Non. Non, non, c'est pas ça. Bonsoir Gwen. On est 50 sur le live. On a réussi à être 50. Le palier des 50 est atteint, les creuses. Oh, c'est génial. On va regarder un petit coup. On va revoir un peu les photos. On va revoir un peu les photos. Est-ce que je peux... Ah, mais là, j'en ai des pellicules. Non. J'en ai peut-être ajouté, là, non? Ah, faut peut-être les mettre dans l'ordre à tous les coups. Ah, il y a un ordre à mettre. One eternity later. Is that a door? What is it doing there? Non mais alors là, alors Voka, je vais te remercier pour la soluce parce que du coup j'ai suivi ton message. Je n'aurais jamais réussi. Mais c'est quoi cette énigme? J'aurais jamais compris. Bref. Nous avons... J'ai chaud. Je vous jure, cette énigme m'a fait suer, là. Ah, putain. Ok, on a trouvé. On va pouvoir emprunter cette porte. Bon, même si j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais... Ouais, non, ça part en couille, là. Ça part en couille. Je ne peux pas le croire. Eh, hey, on écoute aux portes, on a dit. Hein. Ah, nous revoilà ici.
Doro. Is this real? Where am I? Wow. Oh, une scie. Une scie se prend. Ah! Mais c'est Maxwell? Ah non, faut le scier. Ah, faut le scier. On est dans Saut, on est dans Saut. Ah, et le bras me servira à actionner le levier. Bleu, bleu, bleu. Yo les crocs, c'est Toshi Crow et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Il va pas se réveiller quand même, hein. Ah, il va se réveiller, non? Ah, le mur! Regardez le mur derrière! Il bouge! Wow, le... Wow. Ok, donc je pense que l'épisode 3 fait place à... à un espèce de... de dimension parallèle à la réalité. Trop bizarre, je sais pas. Je crois que c'est Merino qui a fait ses notes, elles ne m'aident pas. Bon... Bonsoir Anaïs. Très bien. Bon, on a le bras momifié, du coup, ça va nous aider à pouvoir continuer l'épisode. C'est très bien. Par contre, je m'inquiète pour la suite, vraiment. Ouais. Parce que là... là ça pue, quoi. C'est le genre d'épisode où le monstre te scie, mais toi, tu le scies ou pas, tu vois. Clairement, on est dans ce genre de truc, hein, de bail. Hein. 55? On est 55? Oh là là, c'est bien ça. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Hein. On s'amuse bien ici, on s'amuse bien. Bon, on a un peu peur aussi, mais il y a plus de fun que de peur, non? Plus de peur que de fun? Je sais pas. Allez, let's go. On va enfin pouvoir ouvrir cette porte là. Yo Noémie! Allez, on y croit les crocs, on y croit. Je vais très bien Noémie. Et toi? La forme? Allez, on utilise le bras. Et je crois que c'est good là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va quand même écouter aux portes, hein. On n'est jamais trop prudent dans ce jeu. Je crois que cette expression, on n'est jamais trop prudent, c'est l'expression du jeu. Je crois vraiment que l'expression était faite pour ce jeu. Ou ce jeu était fait pour cette expression, je sais pas. Faut jamais être trop prudent. Let's go. I swear, if I can't find anything... Ah, mais nous voilà dans le bureau de Usher, non? Je crois qu'on y est. Les crocs, je crois qu'on y est. Attendez, j'ai un espèce de sixième sens. Où est-ce que je peux me planquer, là? Il y a le casier qui est loin. Ok, on a un casier qui est loin. Je sens qu'il y a du danger, là. Je le sens. Je le sens. Ça va péter. Ça va péter. Il y a une espèce de bruit d'ampoule assez chiant là. Et c'est grand ici. What? Oh, ça c'est intéressant ça. Ah, c'est ça qu'il cherchait, putain. C'est ça que je recherchais. La maison Legrand, les Crozes. La famille Legrand, c'est la famille à qui appartient la boîte à musique, en fait. Donc, Usher se renseignait sur cette famille. D'accord. C'est
c'est bon, maintenant je dois partir d'ici et vite. Je l'avais dit ça. What? Eh! Oh putain, non. Oh non, non, pas ça. J'espère que c'est pas comme l'épisode 2. L'épisode 2, on en a chié. Vous coulez. Sortez-vous de là aussi vite que possible. Pour vous échapper, appuyez plusieurs fois sur A. Ok, là, jusque-là, c'est simple. Ils essaieront de vous attraper par les bras. Pour empêcher cela, appuyez sur XB. Ah, mais XB, putain, c'est compliqué, XB, les gars. Au bon moment. Si vous n'y parvenez pas, vous devrez vous extirper en appuyant plusieurs fois sur la même... Bon, ça devrait être plutôt simple, hein. Je crois qu'en fait, les développeurs se sont dit... Bon, les gars, dans l'épisode 2, on a fait un système de merde. Faut que pour l'épisode 3, ça soit simple. Faut juste que le joueur appuie sur une touche. Non, parce que là, avec les gâchettes, c'était horrible, quoi. Bon, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, c'est bon. Waouh. Hein? On est où là? C'est quoi cet endroit? Tiens d'ailleurs, oh là, je sais pas si c'était fluide pour vous, je vous ai pas posé la question. Je vais mettre comme ça, ça devrait être mieux. Regardez, on est où là? Ah mais on est dans l'université? Putain mais c'est génial! Hein? Ils sont là! Ah c'est bon! Bah oui, on a trouvé la réponse! Ah oui, bah oui, on sait maintenant donc que Usher recherchait la famille Legrand. La famille originale. Allez, on va aller prévenir les copains. This might have something to do with Usher's investigation. C'est bien les crocs, on a bien joué là. Let's see. It's a book about Argos Legrand. A biography or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with the simple memory of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Hasha that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here? Usher a consulté un article dans les archives de presse département d'histoire. Pourquoi il l'a fait demeure un mystère. Ah. Ah tiens, c'est marrant, on peut rechoisir un personnage. Ah ouais, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on fait les crocs? Est-ce qu'on reprend notre personnage Grace? Elle nous a porté un peu chance quand même, je trouve. On n'est pas mort avec. Ou est-ce qu'on change? Ou est-ce qu'on prend Omar ou Daniel? Mais Daniel, je le sens pas. Je le prends plus en premier, lui. Lequel vous tente, là? Entre Omar et Grace. Vous voulez qu'on change un petit peu? On change? Allez, on va prendre Omar, ouais. On va prendre Omar. Allez, Omar, je compte sur toi, mon pote. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Ils ont cassé un peu les codes des deux premiers épisodes. Hein. On n'est plus dans le même délire. Hein. C'est plus une zone d'enquête. Tu reviens, tu prends un autre perso, tu refais une zone. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. C'est pas plus mal. Hein. Il vous plaît l'épisode 3 pour l'instant, les crocs, alors? Bibliothèque de journaux du département d'histoire. Ah, on change de lieu. On change de lieu, c'est bien. On change d'endroit. Parfait. C'est bien, ça change. I have to find the newspaper Sebastian consulted. Je dois trouver le journal que Sébastien lisait.
Donc Sébastien, c'est Usher, hein, pour ceux qui galèrent à comprendre. Les résultats des examens de juin sont toujours épinglés. Ah, et nous voilà vraiment dans l'université, là. Hein. Attends. Grave, Caichou, tellement. Tellement. Alors. Oh, on a un petit briquet avec lui, j'aime bien, là. Personne dans le secrétariat non plus. Mais il est vide. Il est vide, en fait. What? Oh, the secretary's office sensor is on. Je pense qu'une clé ferait l'affaire, mais en réalité, lorsqu'il n'y a personne dans le secrétariat, ce capteur ferme la porte aux personnes non autorisées. Ah. Ah, il faut désactiver ce truc. Ça ferme la porte automatiquement, en fait. Ah. Bah ouais, Lose the Cat, c'est bien foutu, hein. Ouais, c'est bien foutu. De quoi, bonsoir Omar, on t'aimait beaucoup et adieu en avance. Pourquoi? Ah, vous êtes pessimiste? Non, Omar, moi je le sens bien. Non, 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 c'est un bon Omar. Hein. C'est un bon. On dirait qu'il est dans la matrice quand même. Il a un peu un look de, tu sais, de mec qui va dans la matrice, là, avec ses petites lunettes. Allez Omar, c'est safe, tu peux y aller. Oula, j'ai peur, j'entends des voix. Christy, bienvenue Christy. Bienvenue à toi. Pour l'amour de Dieu, où sont-ils passés? Il y a une voix, hein. On entend un truc derrière là. Des outils laissés épars, comme si les ouvriers avaient soudainement disparu. Mais il n'y a plus personne. Ah, on a chopé un pot de peinture. Ok, on a chopé un pot de peinture. Là, il y a une note. Note d'un peintre. L'un des peintres sur un bout de carton sale. Fais voir un peu. J'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui. Mais elle n'était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils tous passés? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Je ne peindrai pas tout seul, je vais m'asseoir ici jusqu'à la fin de la blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, je partirai d'ici. Vous pouvez le dire au patron si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tous disparaître juste parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. Alors, j'ai quand même une théorie. Je pense vraiment que la momie qu'on a vue dans l'espèce d'univers parallèle, c'était Maxwell. Il est resté piégé dedans et il s'est momifié. Et là, pareil pour le peintre. Je sens que là, on va essayer de retrouver une porte. On va repasser dans l'univers parallèle. Et on va voir le peintre momifié ici, tu vois, qui était resté bloqué, en fait. C'est ma théorie. C'est ma théorie. Bonne soirée, Neko. Bonne soirée, bonne soirée. Passe une bonne nuit. Bon, on a trouvé un pot de peinture, hein. On garde ça en tête. On a un pot de peinture rouge. Ah! Au nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ces images? Impossible. Ces notes ont été rédigées par les professeurs du département d'histoire moderne. À ma connaissance, la dernière réunion qu'ils ont tenue ici remonte à près de 2 mois. Faille spatio-temporelle. Bon, par contre, au niveau de l'image, là, les gars, c'est pas fou. Je sais pas ce qu'ils faisaient à leur réunion, mais non. Wow, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui tremble. Wow.
Ok, ça vient de s'arrêter. Il y a eu un tremblement de terre. Une cuisine. La cuisine de la... Il y a quelque chose sur la table. Yeah. Porte-mine. Putain, j'ai lu protéine. Je sais pas pourquoi. Porte-mine. Ok, un porte-mine métallique. Ok. Je sais pas pourquoi on prend ça, mais ok. Hein? Oh putain, il m'a fait peur. Putain, j'ai eu peur de l'ombre à gauche, là. Pff, sérieux, les gars. Ah, je vais pouvoir me planquer en dessous de ça. On retient. Bon, si on veut se sauver, on retient qu'ici. Oula. D'accord. Je me casse. Bah écoutez, moi cet épisode 3 me fait beaucoup plaisir. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet épisode. Non. Ah, les bureaux de recherche sont généralement fermés. Maxwell devrait avoir les clés. Ah, Maxwell, mais Maxwell, il est pas là. Ah non, Maxwell, il est momifié. Ces casiers sont destinés aux chercheurs qui utilisent les bureaux. Je me demande qui garde les clés. Il y a un bureau assez dérangeant de... Je sais pas si vous l'entendez. Là. Vum, vum, vum. Vous l'entendez aussi? Je sais pas d'où vient ce bruit. Ah, nous revoilà à la cafette, ok. Ok, ok, c'est une deuxième entrée. Maxwell fait du bon café. Bonne nuit, drama... Dramanon. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Non, y'a rien. Il vient d'où ce bruit là, le bruit strident là, je suis le seul à l'entendre ou quoi? Au moins la sortie de secours n'est pas verrouillée. S'il n'y avait pas Grace pour me chercher et Sébastien, je sortirais vite d'ici. Ah ok, il y a la sortie de secours juste là. On vient de choper un rouleau. Ah bah ça du coup on va pouvoir le combiner avec la peinture. La peinture est sèche, je ne vais pas pouvoir y plonger le rouleau. Ah merde, il faut faire fondre la peinture. Mais c'est ouvert. Mais c'est quoi cette connerie, c'est ouvert. Oh, on n'entend plus la perceuse, ça fait du bien quand je suis comme ça. Non mais attends, à tous les coups le... Ah, j'ai trouvé. Regardez la caméra en haut. La caméra au-dessus de nous. C'est la caméra qui filme qui fait ce bruit. Regardez. Vidéosurveillance. C'est la caméra qui fait le bruit. On a trouvé. On a trouvé la source de ce bruit infâme. Radio. Une radio? Ah, on dirait que le couvercle des piles est bloqué. Ah, mais j'ai ce qu'il faut, mon gars. J'ai le crayon. Yes, ça c'est bon, ça. Est-ce qu'on peut combiner les piles à quelque chose? Non. Mais on a des piles. On a des piles, les crozes. À quoi peuvent servir les piles?
Ah, si je pouvais la péter cette caméra, je le ferais, les crocs, croyez-moi. On a des piles, on a des piles, réfléchissons. Est-ce qu'on doit alimenter quelque chose dans cet épisode-là? Ah, mais attendez, je suis pas encore venu ici. Mais j'ai pas tout fait, putain. Et en fait, depuis tout à l'heure, regardez. Depuis tout à l'heure, on a juste fait le haut, là. On a juste fait le haut, on a pas fait le bas. Mais quel con. Je me disais, bah merde, il faut que j'aille où? Bah, il faut que j'aille là, en fait. Ok, y'a personne, let's go. Coucou, c'est Omar. Coucou, c'est Omar, putain. Alors, on a encore une fois pas mal de documents. Pas mal de documents ici. Ouais. Ah voilà, regardez ici, regardez, il y a plein de trucs là. On n'est pas venu ici, hein. Eh. On dirait des mots écrits de façon aléatoire. Le mec totalement taré qui note des mots sur la note, c'est... Ouais, hey, hey. Yeah. Y a un truc qui vient de ramper là ou... Ah, Sébastien n'aurait jamais utilisé un ordinateur, il ne sait même pas comment l'allumer. Oh, vous l'avez vu le truc là? C'est bien fait, eh, l'épisode 3 est bien fait. Hein. On fait gaffe. On fait gaffe, il y a un truc sous le bureau. Et je parle pas d'une jolie blonde. Et c'est grand en fait! Putain, c'est grand! Les toilettes, les toilettes. Oh putain, les chiottes quoi. J'aime pas les chiottes. Allez. Dans les jeux d'horreur, il y a toujours un truc dans les toilettes. Toujours. Toujours. Tu peux en être sûr. Ah, voilà l'eau. Oh putain, voilà l'eau. On a trouvé. On a trouvé. On vient de ramollir la peinture, les roses. Parfait. Yes. Alors, on va combiner la peinture avec le pinceau, ce qui est très bien. J'entends un bruit bizarre là. What the fuck? Qui veut du rat? Bon, le corona là, c'est gratos hein. Tu plonges ta tête dedans, tu meurs instant. Bon, on a réussi à ramollir la peinture, je suis content. Je suis content. Allez, go le toilette des nanas. Des nanas. Cette nana là. Ça les filles. Help me, please. Hein? Pourquoi Maxwell, y a un... is that you? Hein? Non! Maxwell! Maxwell, it's Professor Nasiri. Are you okay? Can you get out? Maxwell dans les shots de des meufs? No, I can't get out. My flashlight. It's out of batteries. J'ai les piles, Maxwell. J'ai les piles. Tiens. Maxwell. Ouais. Ah, Maxwell est vivant. Un porte-clé duquel pendent plusieurs clés. Obtenu de Maxwell le con... Ah. Donc Maxwell n'était pas la momie bizarre là de la dimension parallèle. C'était pas lui.
Maxwell se planque dans les chiottes des meufs. Ok. Très bien. C'est pourquoi pas, après tout, hein. C'est une bonne planque, hein. C'est une bonne planque, Maxwell. T'es pas... Non, il est pas con. Il est pas con, hein, non. Bah, Maxwell. Maxwell? Are you there? Maxwell? Where are you? Maxwell? Bah attends, finalement, c'était peut-être la momie, Maxwell. Bah attends, on nous a filé des clés. Oh là là. Eh, c'est un prank? On veut me prank. Tiens, d'ailleurs, les crosses, j'ai mis le live en 900p. Est-ce que la qualité est quand même bonne? Dites-moi un peu, au niveau de la qualité du live, ça passe en 900p? C'est peut-être mieux pour vous. Pour ceux qui n'ont pas une connexion énorme... C'est peut-être... Oh, non! Oh non! 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 Pas ça! Non, c'est pas vrai, ils l'ont remis. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Ah, je vais mourir. Bah là, je suis mort, les crozes. Hein. Là, je vous le dis, hein, je suis dead. Hein. Rip. Rip. J'y arrive pas. C'est un truc de psycho. Ça me fait rager. De perdre. C'est ça en fait. C'est de perdre sur une connerie de gameplay. Une connerie. It's been a while now. Should we go see if everything's okay? J'y arriverai jamais. Non mais là on est. En fait, là on peut déjà arrêter. On peut arrêter le jeu. Hein. Je pense que j'y arriverai pas. Là les trois persos vont y passer. Les trois persos vont y passer. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce fils de pute? I bet he got wrapped up reading something. I'll go check. Bah oui, j'étais bien parti, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. De toute façon, ceux qui suivent mon let's play sur son God of War, vous savez que j'ai un problème avec ce monstre. J'arrive pas à comprendre le délire du rond blanc. J'y arrive pas. Donc là, en fait, on est mort, quoi. Skyfire, bienvenue. Je suis dégoûté. Non, mais en fait, de perdre un personnage sur une connerie comme ça, moi, ça me dégoûte. Mais vraiment, ça me fait chier. Putain! Mais du coup, est-ce qu'on... Je veux pas le recroiser. Je veux pas le recroiser, le monstre, là. Il est où, le sac? Hein, j'ai pas... Hein, il est où, son sac? On est mort ici, non? Ah, il est là. Allez, on reprend le sac. Et croisez les doigts pour que le monstre ne réapparaît pas. Hein. Parce que là, je vais remourir. Je comprends pas. Allez, réapparaît pas, s'il te plaît. Réapparaît pas, mon gars. Allez, c'est bon. T'as tué un perso, c'est assez. T'as fait assez de dégâts. J'ai très peur du monstre. Ils l'ont refoutu dans l'épisode 3, quoi, ces enfoirés. Ils l'ont refoutu dans l'épisode 3, putain. Just a little redecorating. C'était ça. C'était ça. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On va peut-être finir un épisode sans faire mourir les trois personnages. Ça serait beau, hein. Ça serait beau, les crozes, hein. Let's go du coup. C'était ici. Non, c'était pas ici. C'était pas ici. C'était derrière. C'est là. Ok, on a une clé déjà. Là, il y a une clé. Je prends. Clé en plastique, une petite clé en plastique dure. Alors, il y a le chiffre
01 dessus. Je pense que c'est la pièce où il y a tous les casiers. Vous savez ? Peut-être ça. Ah, ça doit être la clé d'un bureau ou d'un tiroir. Ok, donc pas du tout. C'est la clé d'un bureau ou d'un tiroir. Là, 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 là ! Yes ! Yes, 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 yes ! Ah, microfiche, putain, c'est bon, ça. Allez, 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 allez. On a deux PC à faire avec la microfiche. Deux PC à faire. Tout PC tasse. Ah, je me crois dans Resident Evil 4, là. Les PC tassent. Oh, j'ai pas encore écouté aux portes, c'est vrai, je suis un méchant garçon. Je suis un vilain. Pa la 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 papa. Oh non, pas une énigme les gars. Pas une énigme les gars. Ah non les gars, c'est pas bien ça les gars. Allez, si je veux deviner, je peux miser sur le 14 août. Août, c'est quel mois ça? Juillet, août, 7, 8, c'est le 8. Par contre, l'année, j'irai 1909. Wow, c'est quoi ce screamer des enfers? Merde, on a pété le PC. On a pété le PC, les crozes. Il nous en reste plus qu'un. Est-ce que c'est la même date sur celui-là, Voka? Oh, mais que des cons, on a pété le PC. 17-3-1913. Non, mais personne s'y attendait, en fait. Et bienvenue, Telkana. Bienvenue à toi. Ouais, on va imprimer criminalité, ouais, vous avez raison, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sport, North Eden, météorologie, opinion, criminalité. TT, ça devrait être ça. On imprime. Génial! J'ai trouvé l'histoire que professeur Usher cherchait. Je dois sortir d'ici. Nouvelle imprimée provenant de la microfiche. Des informations sur la mort de Argos le Grand imprimée à partir d'un microfiche. Oh putain, ça c'est bon ça. Là c'est intéressant. Attention pour le scénario, on va se concentrer. Alors, Argos le Grand, héritier de la famille Le Grand, est propriétaire du conglomérat d'affaires LGA Inc. Est décédé dans des circonstances mystérieuses avec son épouse et sa fille aînée âgée de 8 ans. Oh, ah oui putain, les trois ils sont passés quoi. Les événements se sont produits tard dans la soirée d'hier, dans la maison de vacances de la famille où il profitait du printemps après le voyage du mania bien connu. Ok, donc je prédis que l'épisode 4 va se passer dans la maison de vacances de la famille Laurent. Et là, ça va chier. Bien que les autorités aient fait très peu de déclarations publiques et que l'enquête soit en cours, la théorie la plus plausible à ce jour est que la famille a été victime d'un vol avec violence. Le seul survivant étant la fille cadette Ariadne, qui est saine et sauve et sous protection policière. C'était peut-être la vieille de la maison, du coup. Vous savez, la vieille chelou derrière sa porte, là. C'était peut-être elle. Ok, on a notre document, il faut qu'on se casse, et là, ça va être course-poursuite, je te le dis. Ça va chier, là. Let's go. Aïe 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 aïe. Ah oui! Ah oui! Oh, c'est bien ça, c'est bien ça. Bon, la passe nous aura servi à quelque chose. Parfait. Allez, go! There's something here. A note from a certain Sylvia that says, Professor Husher, remember to pick up your typewriter and the rest of your belongings from the library desk. This is the university library. If you need your own space, you can use your office. If Husher left documents in there, it may be worth taking a peek, too.
This might have something to do with Husher's investigation. Let me see. Alors. Oh God, did you read that? Argos LeGrand, heir to the LeGrand family and owner of the LGA Incorporated business conglomerate, has died under mysterious circumstances along with his wife and 8-year-old daughter. It occurred last night at the family's holiday home. Bon, ça on l'a lu du coup. They were spending part of the spring after the famous magnate's most recent trip. While police remain open-minded in their official statements and maintain that all lines of inquiry remain open, popular theories suggest that the family fell victim to a violent robbery, leaving the younger daughter, Ariadne, the sole survivor. She is currently safe in police custody. Oh my God, they're all dead. This is a dead end. Husher left some documents at the library. Maybe there's something there. It's all that's left to check. On en sait un peu plus, hein, même beaucoup plus du coup. Hein. C'est bien. Nous ne t'oublierons pas, Omar, mort pour la bonne cause. À ce moment, il est possible que tu meures si tu n'avais pas récupéré la pince. C'est vrai, Caillou. Waouh, ah, j'ai bien fait de la récupérer du coup, putain. Ah, c'est pas fini. Bah attendez, vous avez dit qu'il restait 10 minutes là. C'est pas fini. Ah, Omar, putain, triste Omar. Allez, je reprends Grace. Je reprends Grace. I'll go take a look. You check out what else is in that notebook. Ah, je pensais que c'était fini du coup. D'accord. Et il manque encore des trucs. Omar repose en paix. Putain, Omar, quoi. Je suis désolé, Omar. Oh, vraiment, c'est cette histoire de gâchette là. T'es mort à cause de gâchette. Waouh. C'est de l'art. Oh oui, c'est de l'art. De l'art abstrait. La grande bibliothèque. Wow. Mais c'est pas du tout fini en fait l'épisode 3 là. Bah alors. C'est pas du tout terminé les crozes là. Oh, c'est immense. Oula. Oh putain, salaud. Salaud. Ils ont faim. Qu'est-ce que je dois faire? Oula, ça sent le boss. Il va y avoir un boss. Bonsoir, Telkana. J'ai eu peur que tu t'arrêtes avant que je puisse parler dans le chat. Eh ben, tu vois, au final, tu peux parler dans le chat. Alors, par contre, elle a regardé le bureau, là. À mon avis, il y a un truc à faire ici, attendez. Il y a un truc à faire, là. Je sais pas quoi. Ah. Caméra 2. Ah, mais ils sont combien là? On a une caméra qui est pétée. Il va falloir monter pour la réparer. On va essayer de descendre, mais je crois qu'on va mourir si on descend. J'ai un espèce d'aura, espèce d'instinct de survie qui me dit: Toshi, si tu descends ici avec tous les monstres qu'il y a, t'es mort. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On verra ça, hein. Franchement, si je dois pas me retaper l'épisode 3, ça va être un miracle. Hein. On aura eu. It's getting stronger. Gotta be careful. Ouais, non. Non. Faut que je répare la caméra 3. Comment je vais faire? Faut pas réparer la... Ah oui, d'accord, faut que j'y aille. Ah oui, mais fallait me le dire. Ah d'accord. Ah bah allons-y alors. Allons-y gaiement. Allez, c'est parti. Attention, c'est parti, on y va. On va se faire enculer.
Alors. Bah écoutez, let's go. Eh. Bon, par contre, les gars. Ah ouais, ça devient chaud. Je vais devoir me retaper l'épisode 3. Je vais devoir me retaper l'épisode 3. Comme les deux précédents. Allez, Danny, t'as servi à rien depuis le début. C'est le moment, c'est ton heure de gloire. Là. Ouais, là, c'est ton moment, Danny. Fais-moi plaisir. Je sens qu'on va devoir se retaper épisode 3. J'ai pas de chance avec ce jeu. Chaque épisode, je dois le refaire. Longez le mur et suivez entre les étagères avec un globe. Allez ensuite en diagonale. En diagonale. C'est quoi en diagonale? En diagonale vers le mur opposé. Je connais horizontal, je connais vertical, mais en diagonale. Allez un peu plus loin et tournez dans le sens opposé entre les autres étagères. J'ai absolument rien pigé. And you thought it'd be so easy, didn't you? Ah là. Fucking God, if it catches me again. C'est la dernière chance. Si je me fais encore choper une fois, je dois me retaper tout l'épisode 3. S'il vous plaît, je n'en peux plus de ce jeu. Je n'en peux plus. Je n'aurai pas la force de refaire l'épisode 3. Donc, vous me dites gauche, hein. Allez. Je mets un pas à gauche. Est-ce que je vais toujours à gauche? Par là, hein. Mais je suis pas sûr. Oh putain, j'aime pas. Allez. Ok, gauche. Gauche. Je crois que je suis le seul youtubeur streamer à avoir fait ce jeu, à se retaper tous les épisodes à chaque fois. Non ? En plus, on était sur la fin. Je dois tout refaire. Et le pire, c'est que je dois le faire en live, quoi. Faut que je relance un live demain de 15 minutes, quoi. Donc voilà, j'ai recommencé l'épisode jusqu'ici, vu qu'on était mort. Hein. Voilà, c'est la grosse lose. C'est l'énorme lose, mais je l'ai fait. Voilà, au moins, c'est fait. Donc, on va refaire ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire les caméras. Ah, on peut pas checker les caméras pour l'instant, attendez. Peut-être que j'avance. What's going on here? Déjà mort, ah non. Non, non, Scott, t'inquiète. Ce n'était que le tuto. Oh my God. What was that? Ce n'était que le tuto. Bon. Nous y voilà les crosses, putain. Ce moment tant redouté. Pour moi en tout cas. C'est cette histoire de bibliothèque là, putain. On va se concentrer. Donc j'ai le chemin en tête. On va essayer de le réaliser sans mourir. Ok. Ok. Donc, allez, c'est parti. Donc par là.
par là jusqu'au globe, comme ça. Là, on est bon. Ensuite, c'est comme ça, comme ça. Là, c'est par ici. Là, c'est par là. Là, c'est à gauche. Et là, je sais plus trop. Là, tout droit ici. Et là, on arrive logiquement. That has to be Sebastian's desk. I'm close. On l'a fait. On l'a fait. J'ai appris le chemin par cœur, vous avez vu ? Je l'ai appris par cœur, le chemin. C'est bon, on a réussi les creuses, putain. On aurait fait ça hier, on aurait fini l'épisode, quoi. C'est good. Allez, on peut continuer. Donc à partir de maintenant, c'est totale découverte. Donc, let's go. Sinister Nature, un ancien volume qui raconte les enquêtes effectuées par Legrand et ses compagnons. Ah, pas mal ça. Sinister Nature. Interesting. Damn it. Il se passe quoi là? Il est parti? Oula. Il y a une apparition. There was another book about Argos Legrand in the library. A compilation of research trips written by two of his associates in the early 1900s. Sinister Nature was a kind of narration of Legrand's frustrated trips in search of paranormal phenomena, with one of the last pages marked by Husha, the cursed concert, St. Cecilia's Abbey. St. Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Husha wanted when he set out in Legrand's footsteps, or how long he planned on doing it. But it was a start. The best place to start looking. Before it gets too late. 8 jours plus tôt. Oula, on repart dans le passé là. C'est pas fini, l'épisode est pas fini, les creuses. Non, 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 c'est pas fini. Sébastien Usher, on va l'incarner. Les creuses. C'est Sébastien. On va incarner Sébastien. What the fuck. Un personnage excentrique avec des goûts traditionnels et un écrivain prolifique de fiction historique qui combine réaction littéraire et enseignement. Et habitué à voyager à travers le monde pour enquêter sur des événements peu connus qui l'inspirent pour ses prochains travaux. Cependant, son dernier séjour s'est avéré très différent des précédents. C'est énorme. On va incarner Usher. Là, ça devient intéressant. Là, Isaac, ça devient intéressant. My dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. By the time you tried to warn me, we had all heard the music. Now, I find myself trapped in a tragic race against time. I had a hunch. I thought that perhaps by returning the box to you... Damn it, I've been such a fool. I lied, Isaac. I'm sorry. I just need you to find a way to make things right. Putain. I left the house without telling Catherine. How could I possibly explain something like this? I thought she'd never believe me, and I was wrong. But now it's too late. I only hope you're all safe. And that you will find a way to forgive me. I must put an end to this once and for all. For my family, for you, and for oh my là sake. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Argos Legrand. Everything revolves around that name. He was the person who had the box crafted and picked out the melody. I know he died in 1913. Newspapers of the day reported a violent burglary in his home. Everyone died, save for Ariadne, who was just a baby at the time. The case was closed, but something just doesn't add up. The police investigation was far too short-lived, and the bodies were not buried, but incinerated. I believe they were trying to hide the truth. I discovered that the book, Natura Tenebrosa, was written by two of Legrand's collaborators.
The same two who followed him across Europe, researching all matter of ridiculous legends, all equally far-fetched. The last case in the book speaks of LeGrand's last journey, on which he embarked just before making the music box. I've followed in his footsteps for weeks now, visiting every place, following every lead about that melody. Alas, I have reached the last leg of this journey, in the north. I find myself among the deserted ruins of St. Cecilia's Abbey, now covered in snow. Oula. Here, in 1912, the annual concert in honor of the patron saint of music was held. LeGrand was not there at the time, but he came to investigate soon after. Every single person who attended that concert died or disappeared in mysterious circumstances, and the abbey has been abandoned ever since. The connection is clear. I know there must be something here, a clue I can pursue. If not, I don't dare think about the future. I can barely distinguish what's real from what's not. Something is watching me, following me, drawing closer and closer by the day. The melody still haunts me. Its notes echo constantly in my head. With each passing minute, they sound more ghastly and foreign. I see darkness all around me, and shadows lurking in the corners. I see my world merging with something else. I see another place. The black figure. I feel it's here with me. Saleté, va. Bon. C'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de LeGrand. Je sais pas si vous avez compris. Hein. Est-ce que c'est la fin? Donc LeGrand, c'est lui en fait qui a découvert la boîte à musique. Tout part de lui en fait. Hein. C'était quelqu'un de riche, une famille riche qui cherchait à découvrir des trucs paranormaux. Ils sont retombés sur cette boîte. Mais c'est énorme, putain, on incarne Usher. I have to find it. Ok. Waouh, donc on se retrouve dans des espèces de ruines. De cathédrale, je sais pas quoi. Là, il y a eu un chant de cette fameuse musique. Tout le monde est mort et tout. Et donc, pour Usher, la clé, la vérité, elle se trouve ici. Regarde. Allez, Usher. Ah, c'est trop bien de l'incarner. C'est trop cool. Je m'y attendais pas. Oula, il y a quelqu'un qui vient de cuisiner là. C'est quoi ces conneries? On n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un vient de cuisiner. Je dirais qu'il y a quelque chose qui bouche les tuyaux. Vous savez, c'est bien. On dirait qu'il y a quelque chose. Ouh là là. Les creuses. J'ai fait le con, j'ai mis oui. J'ai mis oui. Je viens de faire le sondage, je mets oui. Quel con, j'ai pas fait attention, j'ai clic gauche. Oh putain, on a bien fait, on a récupéré un truc. Bon bah, le sondage n'a servi à rien. Allez, on a récupéré quoi du coup? Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose d'aussi dégoûtant. Il y avait que ça dedans? Donc logiquement... Wow. Combien il y a de chapitres en tout? Il y a 4 épisodes tétard. Et nous sommes à la fin du 3e. Et je peux te dire que ça part en couille tout ça. Alors logiquement... On va revenir ici. Et ça devrait avoir débouché le machin. Mais quel talent! Le talent!
Ok, on a découvert un passage secret, les Crozes, on y va. On s'aventure. Note écrite par le père Malachias, prieur de l'abbaye de Sainte-Cécile, à propos du comportement des moines. Donc là, on revient bien dans le temps. Hein. Là, on est... Jésus-Christ, quoi. Il y a quelques jours, j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel. Ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir face auquel ils ont allumé puis éteint la lampe. Ceci devra être considéré comme un témoignage écrit de tout ce qui a été découvert et qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque le trouvera. Assis devant le miroir, ils observent leur propre reflet et tout ce qui se trouve derrière eux. Ils éteignent ensuite la lampe ou en réduisent l'intensité des flammes au point que leurs yeux, aveuglés par la lueur précédente, ne voient plus. Ils la rallument ensuite pour observer encore une fois leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vient en aide, le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qu'il devrait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent, le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur. Mais je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elles se rapprochent et moins nous avons de temps jusqu'à ce qu'elles ne soient plus de simples réflexions. Oh là, what? Ah! C'est quoi ça? On aurait dit un prêtre maudit. On aurait dit un prêtre, mais version... Ah, je sais pas. Version bossu, tu vois. Version bossu. Putain, ça m'a fait flipper, ces conneries. Alors, on a un trou dans le mur, là. Ah, c'est le trou de qu'on a vu tout à l'heure, ok. D'accord, très bien. Ah, il y a des pendus, là. Les gars. Il y a des pendus. Je crois qu'ils se sont pendus. Ils ont pas réussi à déboucher le chiotte. Ils ont pas supporté. Bon. Donc on n'est pas tout seul. Hein. Il y a clairement un prêtre possédé là qui est pas loin. Hein. Qui rôde autour. Hein. Valak, c'est pas l'esprit dans... Conjuring, ça? C'est pas la nonne? Valak, c'est la nonne, hein, si je me trompe pas. Je peux me tromper, hein, mais je pense. Valak, si c'est ça, elle est flippante, elle. Hein. Ouais, c'est Conjuring, hein. Ouais. Ah, elle est flippante, elle. Hein. Je suis d'accord, putain. What? Il y a plein de corps empilés, d'accord. Il y a eu un génocide ou quoi ici? Ils ont joué au jeu du pendu, mais forcément s'ils disent des nombres à la place des lettres. Oula! Wow, c'est quoi ça? Et on est dans Conjuring en vrai. Le mur a été furieusement recouvert de croix. Je comprends le désespoir qui conduit à ça, l'ayant vécu moi-même. Donc quelqu'un est parti en couille dans cette chambre. Hein. Waouh! Ok, bon, il y a clairement eu un truc de panette dans cette abbaye, enfin dans cette église là. Ça me rassure pas, les Crozes, vraiment pas. Retourne la croix, on va faire une séance satanique. Sortez la Ouija, les Crozes. If this works, let's see. Ah putain. Ah, mauvaise idée, Usher, c'est le... Ah là, mais Usher, il a plus rien à perdre là. Moi je ferais pas ça. Qui ferait ça? J'ai peur. Oh là 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 là, j'aime pas ça. La gueule de Usher, putain, il est pas rassuré. Mauvaise idée. Oh putain, ça y est.
Allez, pourquoi il reste noir? Hein? Quoi? Mais non! Ça se finit comme ça? C'est une blague. Oh! Oh, ça se finit comme ça, putain! Non!